Elle a la même forme que les statues de pierre, mais seulement la moitié droite. Oh merde! Ouais merde, mais y en a combien là? Oh les gars! Les gars! Il est où? Heureusement que j'ai pas attiré les deux autres parce que sinon j'allais me retrouver avec trois fantômes en même temps, ça allait pas le faire. Je vais peut-être aussi également, je me disais, mais changer de pellicule. En plus je suis à fond donc... Là je vais le mettre... Je vais le mettre KO je pense là. Hop, un de moins. Allez, meurs. Enfin, meurs, disparaît plutôt. Il est déjà mort, donc bon. Alors, on va s'occuper de ces deux-là. Ça va pas être la même. Parce qu'ils sont les deux en même temps. Faut que je fasse gaffe de pas rester bloqué dans les éléments du décor. Ça a rien fait. C'est bon, il n'y en a qu'un seul qui bouge, c'est très bien, on peut les faire un par un. Troisième. Je pensais qu'ils étaient que deux, parce que c'était censé représenter des jumeaux pour moi. Mais il se pourrait alors que ce soit des putains de triplés, ou je sais pas. Ça se trouve peut-être même il y en aura quatre après, ou cinq. Il a l'air un petit peu plus résistant celui-là, hein. Allez, un dernier pour la route. Eh ben, c'est pas de tout repos. J'ai combien? 1600... Ah non, c'est le meilleur score. Je sais combien de points. 25 000 points. Waouh, ah oui, quand même, le niveau d'après demande 20 000 points cash. Les gars, ils y vont pas qu'à moitié, hein. Putain la vache. Accumulation. C'est quoi, niveau maximum de pouvoir spirituel pouvant être chargé. C'est absolument plus que c'est. Et portée augmente les dégâts aux esprits. Dépend de la lentille. Ah oui d'accord, c'est parce qu'à mon avis je dois pas pouvoir... je pense que ouais, je dois pas pouvoir utiliser peut-être celui-là. Vu qu'il me demande un pouvoir de niveau 2, je sais plus quoi. Voilà, amélioration au niveau 2, donc ça veut dire... Comment ça dépend de la lentille? En fait, j'ai du mal à comprendre toujours comment ça fonctionne.
Pour le moment, je vais grimper la sensibilité. Attends, c'est quoi ça? Ok, ouais, bon, allez, on va dépenser des points là-dedans. Augmente les dégâts aux esprits, ouais. C'est bon. Là-dessus, ouais, il me faut de toute façon, à chaque fois, il me faut un globe. Hein. Pour le moment, je vais économiser, je pense. Donc maintenant, j'en ai une des deux moitiés. On va aller voir par là s'il n'y en avait pas une. Bah, il y en a une là, mais bon, il n'y aura rien dessus. Ah oui, il y avait le foutu temple. Tant que je retombe pas sur les deux les autres tarés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de statue en haut. Je vais trouver des trucs sur les lanternes, peut-être qu'ici aussi. Sait-on jamais. Ah, je peux carrément pas aller la voir celle-là, d'accord. Je peux entrer? Mais je pouvais pas entrer tout à l'heure, non? Je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin? C'est juste un petit temple, d'accord. On va explorer. Par contre, je sens que je vais pas être tout seul là-dedans. Ça pue le fantôme, là. Putain, ça fait plaisir. Une toile recouvre un objet de forme plate et rectangulaire. Un tableau ou un seau, je sais pas ce que c'est, ça pourrait être quoi. Un genre de panneau qu'on trouve dans les temples, là. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Ou dans les dojos. De paille de la taille d'une personne. Ah oui, effectivement. Un vieux miroir a été placé devant l'autel au papillon écarlate. Un globe d'esprit. Très bien. Putain, je vais récupérer l'objet, j'ai un fantôme qui va me tomber sur la gueule. Oh, de l'eau bénite, ça serait magnifique aussi ça. Allez, je reste pas là. On s'en va. Ça m'inspire pas du tout. De toute façon, va certainement falloir qu'on y revienne. Reste plus qu'à retrouver ces fameux papillons pour trouver l'autre moitié de la clé.
Re-sauvegarde en passant. Peuvent être ces foutus papillons. Alors soit les papillons sont à la fois sur deux pierres, soit il faut que je trouve d'abord une pierre et ensuite la deuxième. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'en refaisant tous les endroits où il y en avait, mais là il n'y en avait pas de toute façon. Putain, il y a des chuchotements, des craquements de bois là, ça me... Oh! Ça me dit rien qu'il vaille, je vais quand même retourner là, mais... Je pense pas vraiment y trouver quoi que ce soit. Yai, you are all right. Oui, je vais bien. Bah tiens, bah c'est là. Hop. Ah non, mais non, mais c'est en fait c'était là où. Non, en fait non, ça a jamais changé ici. Donc bon, ben, on y retourne. Où est-ce que je peux en avoir loupé? Il n'y avait pas une près du portail justement. De statue, je me pose la question. Bon, on va y aller. Et non, il n'y avait pas de statue. Donc là, on voit bien qu'il y a les deux fentes hein, pour les clés. Chaque statue présente une fente destinée à recevoir une clé plate et carrée. Ouais, en fait, c'est pas vraiment les fentes que je voyais, c'était surtout les gros trucs en fer là. Je vois pas où sont leurs fentes là, mais bon. Ok, donc il n'y avait pas de statue là, bon. Et eh ben on va revenir jusqu'au au truc là, comment dire, au genre de pilier là, relié avec les cordes en haut là sur la colline. Et on va aller refaire un tour jusqu'au cimetière. Puisque c'est le seul endroit où je suis pas allé encore. Enfin je crois hein. Il me semble, on va quand même regarder. Là c'est fermé, là-dedans j'y suis allé. Mais je peux pas vraiment aller super loin. Là c'est fermé aussi. Là on peut pas y entrer. Je suis allé là-bas. Au temple, je suis allé là. De toute façon je peux pas aller plus loin parce qu'il y a l'arbre. Donc le seul moyen, ouais, le seul truc à faire c'est de revenir ici. J'ai pas le choix.
fait du bien d'entendre la musique d'ambiance s'arrêter, puis entendre les grillons, c'est plus rassurant. Avec le feu, ça fait un petit peu feu de camp sur la plage, en plein été. Ah bah voilà, c'est là. Allez, je vais me taper quoi maintenant? J'ai bien ma pellicule, parce que ça pue encore le fantôme à plein nez. Appareil, pellicule. Je vais pas une autre pellicule, moi, encore? Genre 61 ou un truc comme ça? Je vais pas équiper... Ouais, ça me paraît bizarre, ça. Je vais pas récupérer de la pellicule 61? Bah, merde! Il me semblait... Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on va se taper maintenant? Oh putain, alors... La pellicule, elle est bonne. Ah, les gars sont combien encore, là? Bon, déjà... Oh putain, merde! Faudrait que je m'assure qu'ils sont deux, en fait. Ouais, ils sont que deux. C'est bon. Non, ils sont trois? Mais comment ils sont, nom de Dieu? Les gars, ah, ils sont trois, ouais, c'est parce que ça me semblait. Bah, j'ai pas vraiment le choix là. Ils se séparent aussi. Ils font exprès pour m'encercler, les enfoirés. Tiens. Hop, voilà le dernier. Raté. Bon. Ça grouille de fantômes dans le coin. Allez, je vais en profiter pour refaire encore une sauvegarde.
On va aller voir ce foutu portique. Mais où est-ce que j'avais trouvé de la pellicule, putain de merde? Ça, ça me bouffe, ça. Je suis certain, à un moment, d'avoir trouvé de la pellicule 61. Alors, c'était pas dans cette partie, je sais pas, mais... Je sais pas. J'ai certainement loupé un truc. Bon, alors effectivement, j'avais bien loupé le type 61 et en fait je l'avais bien pris, mais c'était pas dans cette partie-là, c'était dans ma tentative d'enregistrement que j'avais foiré. C'est dans la toute première maison en fait. Il y avait bien du type 61 que je suis allé ramasser et qui est voilà, chargement rapide, gros dégâts, c'est nickel, c'est tout ce qu'il faut. C'est le genre de truc qui va me servir contre les boss par exemple, j'imagine. Enfin, j'imagine. Ça va être même carrément le cas. Alors. Et ben voilà. Alors, on a quoi par là? De l'herbe. Et c'est déjà pas mal. C'était quoi ça? Qu'est-ce que... Pas trop ce qu'elle me fait là. Allez, téléporte-toi, ma salope là. Ah non, je l'ai tué. Ok, bon. Alors, un objet brillant, un cristal vert et un globe d'esprit. En fait, j'étais... Ah, mais en fait, j'ai utilisé du type 61. Ah bah, c'est pour ça. C'est pour ça que c'était si rapide. Ah, attendez, je suis sur le type 14, là. C'est le type 7 que je veux mettre, moi. Voilà. Alors ça, c'est une jeune femme qu'on... Enfin, que je connais, je me doute bien de qui c'est, parce que bon, forcément, j'en ai entendu un petit peu parler sur le jeu, et puis on la voit surtout dans les trailers, dans les bandes-annonces.
Et je pense que c'est un personnage important de l'histoire. Je peux sauvegarder, oui. J'ai l'impression que c'est la même doubleuse qui a fait la voix de tous les fantômes en fait. Effectivement, un jour de plein soleil. Et avec un jardinier, le coin serait magnifique. Tiens, il y a plusieurs portes. Flashlight.